petite question. J'ai ici quatre plaquettes, mais j'ai que deux vis. Comment on fait maintenant? Comment on fait? Je mets un côté. Les anciens vis et l'autre côté des nouveaux vis. Ok. Salut, on est sur une Renault Trafic. Il faut changer le capteur d'ABS parce que apparemment il est cassé. Donc, je vais vous montrer l'emplacement. L'emplacement, il est là. Il faut attendez. Il faut suivre le câblage jusque là. Ça, c'est normalement ici derrière. J'ai poussé. Et maintenant, il faut voir comment enlever ça. Je vais regarder comment l'enlever. Il faut l'enlever de partout ici. Donc, ici il est enlevé. Donc, ici, vous voyez, il y a deux trous. Une ici, une ici. Donc, il y a deux petites clips. Ouais. Donc, j'ai forcé un peu les clips avec une petite tournevis comme ça. Et après, je me suis aidé avec ça. Là, il est sorti. Il faut le débrancher partout. Ok. Maintenant. Il faut brancher le nouveau. Donc, il y a un sens. Vous voyez ça? Ici. Ça doit correspondre avec ça. Avec ça. Ok. Je vais le mettre. Ok. Après, là, il est branché. On va le mettre ici derrière. Ok, là c'est bon. Maintenant, il faut le passer par ici. Il faut le passer par ici. Il faut mettre ça ici. Ok. Maintenant. Le deuxième ici, le troisième ici, ok. Et maintenant, je vais vous montrer. Maintenant, le sens, c'est comme ça. Mais, je sais pas, c'est difficile de filmer avec une main. Donc, le sens, c'est comme ça. Il faut le mettre là-bas. On a deux petites. Truc ici, de petite chine, ou je sais pas, il faut glisser le capteur là-bas. Ça se voit, ouais, ça se voit ici. Ok, il faut le glisser. Il faut bien pousser.
là c'est bon. Mais par contre, ici normalement j'avais, attendez, ici j'avais une petite tôle pour attacher ça, ouais. Mais ça n'existe plus parce que les mécaniciens, quand ils ont travaillé, donc ils ont oublié la tôle. Hein. Donc je vais voir comment faire pour attacher ça. Je peux pas le laisser comme ça. Je sais pas. Je vais réfléchir. Donc ici, provisoirement, j'ai mis des attaches comme ça. J'ai mis des attaches comme ça, provisoirement, et après je vais voir.